Yo tout le monde, donc on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, donc le suivi de septembre. Donc pour commencer, donc j'ai plus de place avec une étagère donc de 1m10 de long sur 45 de profondeur. Donc oui, c'est ça les dimensions, je crois. Donc pour commencer, donc on commence avec le terrarium des stégrodons. Voilà, donc tout va bien pour eux. Donc là, donc on a donc une femelle. Je vais vous montrer l'autre parce que... Voilà. Donc là, donc je filme avec un appareil photo donc assez nul. Enfin, je voudrais pas dire nul, mais la qualité est pas super. Mais je vais bientôt filmer avec autre chose. Enfin voilà. Ma tablette elle bug, donc voilà, donc je peux pas filmer avec une tablette. Donc voilà. Donc ils aiment bien leur nouvelle brumiacée, donc voilà. Voilà donc une brumiacée. Donc voilà, donc je vous ai pas montré la déco. Voilà, donc on a donc une bruminiacée, donc une écorce là-bas. Donc le pot caché par une écorce et voilà des ronces. Toutes fraîches. Vous vous rendez compte? Toutes fraîches. Je viens de pulvériser. Donc on se retrouve donc une fois dans le terrain du monde. Donc voilà, donc on se retrouve. Donc je suis super content, donc départ Mexenus. Donc voilà, donc j'ai perdu mes deux mâles, mais j'ai ma femelle donc qui survit, qui me pond des œufs. Et en tout, j'ai eu donc des bébés, donc on dirait des Carossus morossus. En fait, c'est pas du tout des Carossus morossus. Voilà, donc là, il y en a un, là. Là. Là, il y en a un. Là, il y en a un. Là, il y en a un. Il y en a un peu de partout. La femelle est là-bas. Voilà, donc j'ai mis un décor de fond en papier. Donc un pot, là, donc de la sphaigne. Avec de la fibre de coco et une écorce. J'ai mis des lianes pour qu'il mue ou, et pour décorer. La femelle aime bien se pendre dessus. Donc voilà, donc il y a un bébé d'ailleurs qui fait sa gym. On va pas le voir sur la femelle. Je sais pas ce qu'il lui veut, mais bon. Là, il y a un autre bébé. Donc voilà, donc j'en ai 36 de bébés. DL2, DL1, DL5, DL4. Donc voilà, donc 36 bébés, donc voilà. Donc je n'en... Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse donc... Soit un... Si vous voulez que je fasse un genre de petit concours. Voilà, donc un concours. Et sinon, je compte à remercier, donc je fais un peu de publicité, donc beaucoup la chaîne... Donc de JB Insecte. Donc voilà, donc c'est un pote. Je lui fais un peu de pub. Donc allez voir sa chaîne. Donc il élève des menthes, des phasmes. Donc voilà. Donc sinon je vais vous montrer le matériel. Voilà donc le matériel. Donc on passe tout de suite au matériel. Hop. Voilà, j'imagine. Donc le matériel, donc on a donc des boîtes, donc voilà. Donc l'incubateur des stégrodons, du lichen, tout mon bazar, mes dessins et un pulvérisateur. Et là-haut, tout là-haut, on a ma femelle Parmexenus naturalisée. Et d'ailleurs, mon cadre, j'ai un cadre que j'ai transformé en cadre entomologique. Normalement, ce week-end, je vous ferai une petite vidéo. Donc voilà, donc les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Phasma et goodbye !